touchée par des intempéries. En France, je le disais, froid ce matin, Cédric Fesch à Aurillac, à moins 10 degrés. Pas de neige aujourd'hui à Aurillac dans le Cantal. On va profiter d'un superbe paysage enneigé, ciel bleu, soleil, mais moins 10 degrés. Et c'est pas parce qu'il neige pas qu'il n'y a rien à faire. Je vais poser la question justement à Monsieur Rouki. Vous vous occupez, vous, de l'exploitation des routes du Cantal. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on a à faire une journée comme aujourd'hui avec moins 10 degrés? Quand il fait des températures comme celle-ci, les engins interviennent en salage sur le réseau principal, soit en sel sec, soit en sel avec saumure, de l'eau saturée en sel. Et sur le réseau secondaire, on fait un peu ce que l'agent fait aujourd'hui. On racle la neige qui reste encore sur la chaussée et on en profite pour élargir parce que on sait que demain, après-demain, on va recevoir de nouvelles précipitations et que pour évacuer la neige, il faut qu'il y ait de la place sur le côté, donc on élargit au maximum. Est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs pourquoi vous avez 50-60 cm de neige et il n'y a pas de problème, alors que si demain il y a 1 cm de neige à Marseille ou Paris, ça va être une catastrophe, tout le monde va être figé. C'est quoi qui fait la différence? Alors il y a plusieurs facteurs à ces différences. Le premier, c'est que les gens dans le Cantal sont habitués à circuler régulièrement sur la neige. Le deuxième, c'est que de nombreux véhicules sont équipés d'équipements spéciaux, à savoir pneus neige ou alors des chaussettes. Et puis le troisième, c'est que le conseil départemental du Cantal a un réseau de 4000 km. Et pour le traiter, il y a à peu près 100 véhicules en action tous les matins. Donc ça fait une moyenne de 40 km par camion, c'est à peu près tenable, quoi. Donc ça a un coût évidemment pour le contribuable, mais on sait ici que dans la région, on en a besoin tous les ans. Donc c'est pour ça qu'on a investi. Alors je vais vous montrer en changeant de caméra ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on disait à l'instant, on est en train d'élargir la route. Donc le but, c'est de faire réapparaître le noir sous la neige et puis en même temps d'élargir la chaussée. Voilà pour les conditions dans le Cantal ce matin. Et le temps donc tout de suite avec Christophe Persson.